Alors comme ça, il a parlé de Mario Party 5, hein ? Ce ne serait pas celui qui se déroule dans le monde des rêves, par hasard. Intéressant. Je me demande bien de quoi il peut rêver en ce moment. Quelle surprise ! Ces humains sont décidément très prévisibles. Mais je me demande, de quoi est-il question précisément ? Je vois. Mais rendons ça un peu plus intelligible. Vous le savez, Capcom a affirmé il y a quelques années qu'il comptait exploiter davantage le filon des remakes et des remasters avec son catalogue de licences. Ce qu'il a notamment fait avec sa série phare en revisitant Resident Evil 2, 3 et 4. Personnellement, j'espère bien un remake de Dino Crisis, parce que bon, on va pas se mentir, hein, il y en a besoin, et puis bah, et ce serait franchement cool. Mais depuis la sortie de Resident Evil 4 sous 2023, il y a des raisons de penser que l'éditeur japonais aurait laissé des indices qui révéleraient l'identité du prochain remake prévu pour la licence, et on va voir ça ensemble. Plusieurs éléments semblent indiquer que le prochain remake serait celui du 5. Cela s'inscrirait dans la suite logique, hein, 1, 2, 3, 4 et 5. Mais surtout, les cinématiques à la fin de la refonte de RE4 nous montrent bien des choses. On y aperçoit une photo d'Exela Guionne, l'une des antagonistes principaux du jeu, ainsi que ce sanctuaire que l'on peut visiter à l'approche des derniers chapitres et dont les fleurs qui y poussent servent à développer le virus Progenitor, qui est utilisé comme base du célèbre virus T d'Umbrella. Le discours d'Albert Wesker, selon lequel des milliards de victimes seront nécessaires pour l'avènement d'une nouvelle ère, fait très clairement référence au projet Ouroboros, au cœur de l'intrigue du titre. Quant au game design, la refonte du passage du lac de RE4 sous forme de petites îles à visiter rappelle le passage similaire dans les marais de RE5. On peut aussi noter les modifications effectuées sur un ennemi de RE4 en particulier, Gigi ou JJ, je sais pas trop comment faut le prononcer, qui a été repris tel quel, mais sous forme de boss, dans Resident Evil 5. Dans le remake, il change complètement d'apparence pour correspondre à une nouvelle catégorie appelée Brute, moins militaire et plus rustique, et tronque sa sulfateuse contre une arbalète automatique. L'objectif est clairement d'éviter le doublon avec RE5. Donc, manette en main, le remake de RE4 reprend une idée de RE5. Sur le plan scénaristique, il cherche autant que possible à faire le lien avec l'histoire de cet opus, et visuellement, il essaye de s'en démarquer. Pas surprenant donc qu'on puisse se mettre à en guetter un potentiel remake. C'est l'évidence même. Mais pour qui a l'œil et l'oreille, un autre jeu de la franchise est référencé dans cette refonte de RE4 à plusieurs moments. On commence avec ce Ganado qui sort des placards dans une des maisons du village. Sur le principe, on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un des nombreux ennemis de la zone, censé mettre un coup de pression à Léon. Sauf qu'il en sort même après le retentissement de la cloche, ce qui signifie qu'il est à part de cette horde d'ennemis. Alors, simple surprise dans le but d'effrayer le joueur persuadé d'être à l'abri une fois que les infectés ont quitté la zone ? Possible. Mais en sortant ainsi du placard, il n'est pas sans rappeler un autre moment culte de la série. Un peu plus tard, juste après notre victoire contre El Regante, Léon a une remarque très particulière. J'ai failli finir en crêpe. Et tous les bons nutritionnistes vous le diront, la crêpe Léon est un excellent dessert, surtout après un bon Jill Sandwich. Les deux répliques venant juste après que le personnage principal ait manqué de se faire écraser, peu de chance que ce soit une simple coïncidence. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Beaucoup plus intriguant cette fois, l'énigme des pierres lithographiques. Il s'agit visiblement d'une relecture de l'énigme des tableaux du jeu d'origine, mais dans une version plus intéressante, où il faut non seulement montrer la bonne face de chaque pierre, mais également la placer au bon endroit. À première vue, il n'y a rien à signaler ici, mais un regard acéré et une bonne connaissance de la franchise offrent une perspective nouvelle. En effet, si l'on observe les motifs inscrits sur ces pierres, on relève la présence d'une épée, d'un bouclier, d'un casque et d'une armure, soit les quatre emblèmes des clés qui ouvrent les portes verrouillées,
du manoir Spencer. Enfin, l'ultime référence se trouve dans le DLC Separate Ways. Ada y est dès le début blessée par le second bras droit de Salazar. Et bah oui, après tout, il y en a bien qui ont deux mains gauches, alors pourquoi pas deux bras droits? Enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, suite à cette blessure, elle se retrouve affaiblie et sujette à des vertiges ainsi qu'à des hallucinations. Ce qui, au passage, est un clin d'œil direct à ce que Resident Evil 4 devait être à l'origine, à savoir un survival horror à l'ancienne, dans lequel Léon devait faire face à des illusions terrifiantes. Et ils y sont parvenus sans pour autant faire doublon avec Village, hein, ce qui n'était pas forcément gagné. Donc bravo à l'équipe de développement. Ainsi, Ada se retrouve contaminée, et lorsqu'elle sort de l'usine, elle perd connaissance. Mais coup de chance pour elle, un individu veille au grain et va la secourir, individu qui n'est autre qu'Albert Wesker en personne. Même s'il le fait bien plus pour servir ses propres intérêts que par pure bonté de cœur, hein. On parle de Wesker quand même. Une scène sympathique, mais qui évoquera quelques souvenirs à celles et ceux ayant arpenté la demeure perdue au sein des monts Harkley. Car après sa première rencontre avec Yarn, le terrible serpent géant ayant tué Richard de l'équipe Bravo des Stars, Jill, si elle a été mordue par le reptile, aura un vertige et perdra connaissance avant d'être secourue par une paire de jambes. Elle se réveillera dans la salle de sauvegarde, guérie de l'empoisonnement. Si elle semble supposer que c'est Barry qui lui est venu en aide, rien n'indique que ce n'est pas Wesker lui-même qui est intervenu. Mais que ce soit le cas ou non, cela ne change rien au fait que la symétrie des deux scènes saute aux yeux, et ce n'est sans doute pas innocent. L'opus fondateur de la licence est clairement référencé à plusieurs reprises, et de manière suffisamment soignée pour que le caractère volontaire de la chose paraisse évident. Pourtant, est-ce là un moyen de teaser un éventuel projet de remake? Eh bien, pas forcément. La possibilité n'est pas écartée, mais ces références peuvent tout aussi bien être purement gratuites, comme vouloir dire qu'au contraire, un nouveau remake du titre de Capcom est hors de question et que, bah, par conséquent, on se limite au clin d'œil qui serait alors l'unique façon de revisiter ses idées. On peut appuyer ce dernier argument avec les deux précédents remakes, hein, qui ont également référencé le jeu de 96. Dans le Resident Evil 2 de 2019, l'introduction a été modifiée de manière à ce que le premier zombie auquel le joueur est confronté soit bien mis en avant, et alors qu'il vient de tuer un policier en le mordant à la gorge. Ce qui reprend sensiblement la scène dans laquelle le tout premier zombie de la licence nous est révélé, et que je vous présente dans sa version totalement non censurée. Et toujours dans ce remake, la version finale du tyran rappelle beaucoup plus le tyran d'origine, avec son unique bras griffu et son cœur très humain, que le boss du jeu de 1998 qui, lui, avait un cœur différent, et surtout deux bras pourvus de griffes. Pour deux fois plus de plaisir, et de coups de latte dans ta gueule! Quant au Resident Evil 3 de 2020, sa reprise la plus évidente reste la scène en vue subjective qui marque l'arrivée des Hunters, ces redoutables ennemis capables de vous tuer en un coup et qui étaient annoncés exactement de la même manière dans le titre de 1996. Et d'ailleurs, petit détail à noter, là où les Hunters du RE3 d'origine étaient rouges pour les démarquer de ceux entièrement verts de RE1, dans le remake de 2020, ces créatures reptiliennes conservent leur teinte verte. Et nous pouvons même aller jusqu'à mentionner ces nouvelles créatures, hein, les Pale Hood, dont le nom n'est pas sans rappeler celui des Crimson Hood, la nouvelle bébête qui était au cœur du tout premier remake du tout premier Resident Evil. Voilà autant d'éléments que les jeux récents ont repris de l'opus fondateur, et qui risquent fort de faire doublon si un nouveau remake du premier jeu devait arriver. Et si on ajoute à ça le fait que le RE2 d'origine était déjà en son temps une relecture du premier jeu, on peut légitimement se demander à quoi bon un tel remake. Surtout qu'on risque d'être confronté à un autre problème. Le remake de RE2 était plus orienté action que son modèle du fait de sa composante TPS liée au choix de la caméra à l'épaule, malgré un rythme assez posé. Le remake de RE3 a changé la donne en prenant la forme d'une inarrêtable fuite en avant dotée d'un gameplay plus vif, arcade et nerveux. Et avec le remake de RE4, l'action et le dynamisme sont au cœur d'une expérience plus fluide et souple que jamais. Ainsi, exactement comme à l'époque des jeux originaux, on assiste à une gradation vers l'action.
Sortir un nouveau remake de RE1 dans ce contexte implique de surmonter une difficulté majeure, car on ne peut décemment pas plonger le joueur dans une action frénétique, alors qu'il s'agit du moment où tout a commencé pour les personnages. Et si j'en juge par le cauchemar de Jill qui ouvre le remake de RE3, l'expérience a dû être particulièrement traumatisante pour les survivants, au point qu'ils doivent se gaver de cachetons pour espérer pouvoir retrouver un quotidien un minimum normal. Sans grand succès, apparemment. Un second remake de RE1 n'aurait d'autre choix que de rompre avec le cycle de l'action, pour proposer une plongée dans l'horreur la plus indicible qui soit. Et cela représente un défi monumental après la sortie du remake de RE4, et d'autant plus ardu à relever que les joueurs ont déjà vécu le périple originel à bien des occasions. Pour autant, serait-ce mission impossible? Eh bien personnellement, je n'y crois pas. Premièrement, un certain Kazunori Kadoi a affirmé, alors qu'il répondait aux questions d'un journaliste de Game Informer à l'occasion de la Gamescom 2018, qu'assez de temps avait passé pour qu'il ne soit pas ridicule de revisiter le remake de RE1 et que ce serait même intéressant. Et je rappelle qu'il est co-réalisateur avec Yasuhiro Hampo des remakes de Resident Evil 2 et 4, donc là on ne parle pas de n'importe qui chez Capcom. Si un mec comme lui pense que c'est jouable, je pense qu'on peut le croire. À minima en tout cas. Ensuite, même si les nombreux clins d'œil aux différentes versions de RE1 dans les derniers remakes peuvent constituer autant d'éléments qui pourraient ne pas être repris pour éviter de faire doublon, il reste encore bien des choses qui n'ont pas été réutilisées. Exemple tout simple, les corbeaux qui ont complètement disparu des remakes de RE2 et 3. Bon, j'avoue que pour cela c'est plus un souci, je pense, lié au gameplay. Parce que je vois mal comment les gérer correctement avec la caméra à l'épaule. Ils sont plus adaptés à une jouabilité façon tank control. Par contre, on ne retrouve pas non plus les araignées géantes de RE2 et 3 dans les remakes. Et justement, le premier Resident Evil non seulement les a comme ennemis, mais en plus en a même une encore plus grosse qui fait office de boss. Donc, il y a moyen d'en faire quelque chose. De la même manière, il n'aura échappé à personne, je pense, que les Grave Diggers, parce que oui, hein, sachez-le, celui-ci et celui-là sont bien deux spécimens différents, ont été complètement retirés, tout comme les parties du beffroi et du cimetière, quand il s'est agi de réaliser un remake de RE3. Une décision qui a fait grincer bien des dents, hein. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais émis l'hypothèse que Capcom avait voulu réaliser un diptyque avec les remakes de RE2 et 3, et que ça expliquait probablement une volonté de ne pas faire de redites entre les deux jeux. On pourrait pousser l'idée encore un peu plus loin en rappelant que le beffroi du RE3 d'origine était clairement là pour rappeler l'ambiance de l'opus fondateur. Le retirer est d'autant plus pertinent si, bah, quelque part dans une boîte à idées, il y a la possibilité de concevoir un nouveau remake du premier jeu. Bah, à quoi bon rappeler si l'on peut faire revivre? D'autant que l'idée du cimetière a fort justement été exploitée dans le remake de 2002. Quant aux Gravediggers, il faut savoir qu'ils ne sont visiblement que l'un des nombreux aboutissements d'un travail de conception commencé pour RE1. L'équipe de Mikami a en effet cherché pendant un moment à créer un monstre tout en longueur, en testant plusieurs concepts hein, de ver et de sangsue, pour finalement arriver à Yarn, le serpent géant. Mais les autres idées n'ont pas été abandonnées pour autant, puisque la sangsue géante a été exploitée telle qu'elle dans Outbreak, et dans une version bien différente pour RE0. Quant aux autres formes de ver, bah, on les retrouve dans RE3, notamment via les Gravediggers, mais aussi dans Code Veronica. Et si l'on se fie à cet artwork d'un Gravedigger saisissant sa proie avec des sortes de tentacules buccaux, on peut même aller jusqu'à se demander si finalement le design du Del Lago du RE4 de 2005, qui, sans les utiliser, en est néanmoins pourvu, ne serait pas lui aussi le résultat de cette recherche de design pour RE1. Bref, là où je veux en venir, c'est que cette volonté de nous confronter à des créatures géantes longilignes faisant office de boss nous vient tout droit du premier jeu et que, jusqu'à présent, les remakes ont plus ou moins fait l'impasse sur ce point. Le combat contre Del Lago s'effectue sur l'eau, mais s'émancipe complètement du gameplay principal du jeu, basé, comme on le rappelle, sur l'exploitation des soins, munitions et armes conventionnelles récupérées par le joueur, ainsi que sur les déplacements libres de celui-ci. RE3 Remake, on l'a dit, a complètement écarté les Gravediggers. Quant à l'alligator géant du remake du RE2, bah, il tient surtout de la courte phase d'esquive ultra scriptée, et n'a donc rien d'un boss à proprement parler.
Il reste donc une place pour un véritable combat de boss s'appuyant sur le gameplay de base du jeu et clairement, un potentiel nouveau remake de RE1 a une carte à jouer. Cela m'apparaît tout de même assez léger pour légitimer le projet. Mais là où pour moi ce potentiel nouveau remake de RE1 aurait tout intérêt à se démarquer, c'est dans son utilisation des deux personnages principaux. Le remake de RE3 a ajouté une phase avec Carlos par rapport au jeu d'origine dans le commissariat et modifié quelque peu celle de l'hôpital afin d'ajouter un bout d'intrigue supplémentaire exclusif aux membres de l'UBCS. Ça reste léger, mais c'est bon à prendre. Le remake de RE4, de son côté, a dès le départ réfléchi à la campagne Separate Ways se déroulant en parallèle pour un résultat nettement supérieur en qualité à ce qu'on pouvait avoir avec le jeu d'origine. Ce qui n'a rien de surprenant, vu que cette fois il ne s'agit plus d'un mode conçu rapidement pour pousser les joueurs à racheter le titre sur un nouveau support. Que du mieux donc, sauf dans le cas du remake de RE2. Le jeu d'origine proposait deux scénarios, A et B, avec chacun ses spécificités, ses scènes, lieux et boss exclusifs, avec même des variations selon que tel ou tel scénario incombe à Claire ou à Léon, ainsi qu'un rapport cause-conséquence entre les deux aventures en fonction des choix du joueur. Tout ou presque a été balayé dans le remake. Le rapport cause-conséquence a disparu, et à l'exception des boss de fin, tous les autres sont strictement identiques d'un scénario à l'autre. Il est donc impossible de croire que les deux aventures se déroulent en parallèle, surtout quand on constate que le tyran, qui traque quand même Léon jusqu'au bout de son périple, se fait littéralement tuer par William Birkin au beau milieu de l'histoire de Claire. Niveau incohérence, ça se pose là. Surtout que c'était ça le gros apport de RE2 par rapport à RE1. Le fait qu'on passait d'une aventure que l'on pouvait vivre avec l'un ou l'autre des personnages, avec les différences que ça impliquait, à une double aventure vécue en parallèle par deux protagonistes dont les parcours se complétaient. Sur ce point précis, le remake de RE2 connaît un échec cuisant. Et c'est précisément là-dessus qu'un éventuel nouveau remake de RE1 aurait une pièce maîtresse à jouer. On pourrait totalement imaginer un titre qui nous permettrait de parcourir à nouveau le manoir Spencer dans une version entièrement revisitée avec Jill épaulée de Barry qui aurait ses propres boss, énigmes, zones à explorer et actions à réaliser, puis avec Chris assisté de Rebecca qui aurait droit au même traitement, une aventure qui lui serait propre. Tout cela avec une importance nouvelle accordée au rapport cause-conséquence. Imaginez. Dans un second run, on traverse avec Jill une zone déjà parcourue par Chris lors d'une première partie, et l'on verrait un peu partout les cadavres des monstres qu'il a tués, parce que le jeu les aurait gardés en mémoire. Cool, non ? Et pour être certain d'avoir assez de matière, le remake pourrait encore rajouter des éléments, et Dieu sait que ce ne sont pas les idées qui manquent, surtout quand on a connaissance de détails présents dans les versions non définitives des différents jeux qui composent la saga. Un exemple à l'appui. Je vais probablement vous l'apprendre, mais saviez-vous que le tout premier Resident Evil de 1996 contenait des données relatives à un modèle 3D de Taser ? Eh oui ! L'idée de l'arme d'appoint, qu'on pensait tous être un ajout imaginé à l'occasion du développement du remake de 2002, n'était en réalité qu'une simple résurrection doublée d'une évolution d'un concept retiré du jeu de base. Et vous savez quoi ? Capcom a récidivé avec le remake de RE4. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion d'une autre vidéo sur le jeu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je tâcherai de vous donner l'info. Concernant RE1, il y a des tonnes de choses qui pourraient être réexploitées, genre Yarn. Dans la version de 1996, on l'affronte dans le grenier. Mais saviez-vous où est-ce qu'on était censé le rencontrer initialement ? Dans la remise qui mène à l'extérieur du manoir. Il reste d'ailleurs des traces de cette configuration dans le jeu final. Si l'on prête attention à la cinématique qui adopte le point de vue du Hunter... Hop ! Là, vous voyez ? Le chemin qui conduit à une forêt ? Eh bien c'est de là que Yarn devait venir. Ce qui permet du coup de nous rendre compte que le fameux ajout de la forêt dans le remake de 2002 était lui aussi prévu pour le jeu original. De là à penser que cette refonte a plus réutilisé des idées écartées qu'imaginer de réelles nouveautés, il n'y a qu'un pas.
Et par contre, ne vous méprenez pas, hein, je dis ça sans aucune volonté de déprécier ce remake que j'adore. Au contraire, même, ça prouve que derrière des propositions mises de côté pendant un développement, se cache souvent un grand potentiel qu'il convient d'exploiter. Alors autant se saisir de l'opportunité quand elle se présente. Et demandez aux fans de Nintendo ce qu'ils pensent de Yoshi. Ils auront sans doute des choses à vous dire. Ah oui, c'est vrai qu'il devait apparaître dès les premiers jeux Mario. Du coup, avec ce qu'on a, imaginez ce que ça pourrait donner dans un nouveau remake. Le combat contre Yawn dans la remise serait réservé au premier protagoniste qui aurait alors accès à la forêt, l'autre sortie ayant été bloquée par le reptile. Et on pourrait faire en sorte que le second protagoniste arrive chronologiquement avant, et que, se laissant surprendre par le serpent, il se retrouve contraint de passer par les jardins, sans pouvoir affronter la créature. Et ainsi, on offrirait un parcours exclusif à chaque personnage, sans doublons dans les boss, et avec une complémentarité dans l'aventure. Je ne dis pas qu'il faudrait faire ça précisément, mais ça me semble être une bonne ligne directrice à suivre pour assurer une réelle rejouabilité au titre, ainsi qu'une identité suffisamment forte et propre pour compenser le retour en arrière nécessaire sur l'action qu'impliquerait le développement d'un tel remake. Il tire quand même des plans sur la comète, mais je comprends l'idée. Il serait dommage que Capcom n'exploite pas l'or qu'il a entre les mains. Il y a visiblement de quoi faire. Si je dois avouer qu'il y a peu de chances que le prochain remake soit celui de RE1, ou même de Code Veronica, qui lui aussi aurait bien besoin d'un rafraîchissement, il serait avisé de les refaire l'un comme l'autre avant de s'occuper de celui de RE5. Pour la simple et bonne raison que ce dernier représente l'aboutissement d'un arc narratif, et qu'il serait dommage de l'aborder sans au préalable remettre sur le devant de la scène les événements clés de ces deux autres jeux. À ce titre, même un détour par RE0 ne serait pas négligeable. De là à savoir si Capcom voit les choses ainsi, difficile à dire. Ainsi s'achève cette vidéo. Alors ce n'est certes pas grand chose, mais j'aime toujours beaucoup ces petites sessions de prospective et j'espère qu'elle vous aura, sinon intéressé, au moins appris des choses sur la licence. Si l'épisode vous a plu, faites le savoir avec like, partages et abonnements pour soutenir la chaîne et ne rien rater de mes prochaines productions. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sachez que j'ai d'ailleurs rejoint Blue Sky récemment, donc vous pourrez m'y retrouver aussi. Et à soutenir mon travail, ma page Tipeee et gratuitement sur Clippy, les liens sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, jouez bien, ciao.